Coucou, je vous retrouve pour une petite ouverture de courrier. Voilà, j'ai reçu deux envois et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir très très chaud parce que ça sera sûrement publié la semaine prochaine, la semaine de la canicule. Voilà, donc faites attention à vous, quoi, parce que c'est pas des moments, c'est difficile de résister. Moi, je déteste la chaleur. Je sais pas vous, mais moi. À la limite, la chaleur quand on est en bord de mer, c'est sympa, mais là, en région parisienne, c'est pas terrible, terrible. Je voulais vous montrer, avant d'ouvrir les courriers, des petits achats que j'ai trouvés dans mon Leclerc. Voilà, une petite coupelle comme ça. Donc, vous savez, moi, j'adore le Vichy, j'adore le petit pois. Donc, et puis, les fleurs sont mignonnes, elles sont sympas. Et je me dis, des fois, pour préparer un tuto, je mets mes petits produits dedans. Je pense que ça peut être sympa. Donc je l'ai pris, au pire si ça me sert pas pour ça, bah, ça me servira dans la cuisine ou sur ma table basse. Et avec, j'ai craqué aussi, il y avait des petits bols en Vichy comme ça, c'est des petits bols en plastique, hein. Tout bête, donc j'avais pris deux en Vichy, bah, c'est le raccord avec le plateau, et un en fleurs comme ça. Je sais pas trop ce que j'en ferais vraiment, mais soit je vais les mettre dans ma cuisine, mais je me dis peut-être que je vais les garder ici. Parce que des fois, pour mettre des petits bidules pour préparer, comme je vous dis, les tutos, c'est assez mignon. Voilà. Par contre, si je les laisse dans ma cuisine, ou pas, parce que de toute façon, ça peut servir pour tout. J'ai craqué pour des petites cuillères. Voilà. Il y en a, dont une en Vichy, en fait. Il y aurait eu les trois en Vichy, j'aurais préféré, mais. Puis aussi pour mes petites photos Instagram, voilà. J'aime bien faire des jolies petites fois, des jolies. Des photos agréables, on va dire, sur Insta, et d'avoir de la petite vaisselle un petit peu colorée, un petit peu printanière, même si maintenant on est en été, bien sûr. Je trouvais que c'était sympa, c'était pas très très cher, donc moi j'ai trouvé ça dans le Leclerc. Voilà, on passe à l'ouverture de courrier maintenant. Oui, ok. Donc, j'ai une lettre qui me vient de Nantes. Voilà, bon, une petite lettre. Comme ça, avec un petit cœur là. Donc je n'ai pas ouvert. Oh, le masking tape, ça enlève tout seul. Voilà. Hop. Mon ouvre-courrier, je sais même pas où il est. Je le retrouve, je le repère, je le retrouve, je le repère. Je sais que des fois, je me dis, bah tiens, je vais le poser pas très loin, comme ça, je l'aurai. Bah, je l'ai pas. Ouh. Alors, oh, c'est sympa. Ah, c'est super sympa ça. Le côté ajouré là. J'aime beaucoup. Ça donne. Je trouve que ça donne de la légèreté à la carte. J'aime beaucoup le petit empiècement. Le petit empiècement ajouré, pardon. Et très fleuri, la dentelle et tout. C'est très sympa. Sont belles les petites roses là j'allais dire en silicone, c'est pas en silicone, enfin bon, bref, elles sont belles les petites roses, à la limite on s'en fiche en quoi elles sont, hein. Voilà, je t'envoie cette petite carte sortie de mon imagination et rose de bonnes. Oh, c'est sympa, c'est pour me souhaiter des bonnes vacances. Voilà, fourchette. Fourchette. Cette carte là. Alors, en voyant le nom de famille, je croyais que c'était Marie-Françoise. Mais c'est pas Marie-Françoise. Parce que. Et là, t'as signé avec un pseudo. Alors, ça fume dans ma tête. Parce que j'ai peur de me tromper de personne, parce que j'ai l'impression que c'est Marie-Françoise, mais en lisant, je me dis c'est peut-être une autre dame qui habite à Nantes. Pourtant, fourchette, ça me dit quelque chose. Je sais que j'ai déjà reçu des trucs de toi. Bon. Si tu passes par là, remets-moi un petit commentaire que je replace les choses correctement dans mon cerveau.
Voilà, je suis désolée, je remets pas forcément toujours. Et ça m'a fait rigoler l'autre jour, j'ai vu sur. Parce que ça m'y fait penser là tout de suite. J'ai vu sur une vidéo de Lucie que elle avait confondu différentes Corinne. C'était pas moi, hein. D'autres Corinne, qu'elle avait un problème aussi avec les pseudos parfois. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, on n'arrive plus à. C'est comme un puzzle en fait, voilà. Et avec un puzzle de 10 300 personnes. Et au bout d'un moment, oui, je me la pète, grave. Non. Au bout d'un moment, on n'arrive pas à replacer tout correctement. Alors, je veux pas vexer, mais j'ai l'impression de confondre. Alors, je voudrais pas dire trop de bêtises. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée de découpe là. Voilà. Et derrière. C'est super joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Alors, avant d'ouvrir le deuxième, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, toute la semaine dernière, je n'ai pas touché à mon, je ne suis quasiment pas venue dans ma pièce à part pour poser quelque chose ou venir chercher quelque chose, mais je n'ai pas scrapé, voilà. Un petit moment de. J'ai pas envie, voilà, j'avais pas envie. Donc ça reste du loisir, ça reste du plaisir. Donc je n'ai pas fait de vidéo et je n'ai pas fait de création. J'avais tout préparé pour le week-end dernier pour faire ma création avec ce magnifique papier. Voilà. J'ai commencé ma vidéo et je me suis plantée. Voilà, j'ai fait quelque chose de moche, voilà, de pas fini, de grossier, et voilà, et ça m'a pas plu et ça m'a énervé et j'ai tout laissé. Du coup, j'avais tout installé, je me suis dit comme ça, dans la semaine, je me pose, je filme. J'ai pas filmé. Voilà, donc c'est ça arrive, hein, voilà. Après c'est pas grave, grave, mais j'avais envie de vous le dire quand même. Et la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué parce que si il fait des chaleurs pas possibles. On va avoir plutôt envie de se poser devant le ventilo à rien faire ou à faire une petite sieste quand on n'est pas au boulot plutôt que scraper. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire les choses quand il fait trop trop chaud. Je ne supporte plus la chaleur. Je crois que plus je vieillis, moins je supporte la chaleur. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Alors là, il y a un courrier qui vient de Monique. J'ai déjà reçu des choses de Monique. Ah, mais voilà, oui. J'ai répondu à un mail. C'était quand? Vendredi ou samedi que j'avais pas reçu. Voilà, là j'ai reçu. En fait, c'était dans ma boîte aux lettres. Là, on est dimanche. Et c'était dans ma boîte aux lettres. J'ai pas dû regarder mon courrier samedi. Enfin bon, bref. Blablabla. Par contre, peut-être il y a eu une erreur dans le code postal parce qu'ils ont recollé une étiquette avec mon code postal. Donc, attendez, je vais regarder sous l'étiquette quel code postal tu avais mis. Et bien sûr, tout est arraché. Enfin, c'est pas arraché, hein, c'est que c'est collé. J'étudierai le truc après, mais apparemment, peut-être que la lettre s'est un peu perdue parce que peut-être c'était pas le bon code postal. Parce qu'ils ont recollé un code postal sur le code postal manuscrit. Très intéressant. Hein. Bon, on ouvre. Oh, du violet. J'aime bien aussi le violet. Alors. Qu'est-ce donc? La belle étoile. Ah, oui, j'avais vu sur ton. Oh, la lavande. Oh, j'en ai super. Donc, bon, chère Corinne, ma première Memory Dex. Ah, oui, je les sens. Oui, je le sens. Je veux regarder, je veux lire la carte, je veux tout faire en même temps. Ainsi que la lavande de mon jardin. Je me rappelle plus qui m'avait envoyé un petit sachet de lavande et il est dans mon armoire. Et c'est très très sympa.
c'est cool. Ah oui. Une petite. Alors, je pense que les fleurs de lavande sont à l'intérieur et elles sont mises comme ça pour conserver l'odeur. Tressées comme ça avec un ruban. Super sympa. T'habites dans quelle région déjà? Le 24. Je suis nulle en géographie. Donc, le 24, c'est quelque part, je sais pas où. Donc il y avait une. La lavande, elle était dans une petite pochette comme ça pour la protéger. Et découvrons. Il y a plein d'endroits, c'est sympa, c'est avec des enveloppes. Donc il y a une petite création comme ça. Hop. Hop. Oh. Bon, ça va, c'est possible. En retour caméra, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est une photo. Donc. Enfin, oui, c'est une photo, mais pas une photo perso. Donc, une petite. Un petit contenant, je pense, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. Oh, c'est un petit objet en résine. Un petit nœud en fait en résine avec des paillettes. Voilà, moi j'en ai jamais fait des choses comme ça, je sais pas faire ça. C'est trop chou. Ah ben voilà, ben, je vais le mettre dans mon plateau. Je vais mettre dans mon plateau comme ça. Je verrai ça sur mon bureau et je me dirai il faut que je fasse une création avec. Ah ouais, c'est pas mal ça. Les idées arrivent au fur et à mesure. Ensuite. Alors, une petite Memory Dex toute rose. C'est mignon le nuage là. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, j'ai entendu quelque chose tomber. Pourtant, je devrais voir, ma table est noire. Oh non, ça c'est le nœud. Ah, un petit cœur là-bas. Donc il y avait un petit cœur. Je ne sais pas où il allait. Faut que je regarde les traces de colle en fait. Ah, peut-être qu'il allait au nœud là. Il y a un autre petit cœur. Bah, je le pose aussi dans mon plateau. Tiens. Il y a un petit cœur comme ça qui vient de tomber. Donc je pense qu'il devait être juste à côté. Ou bon, je regarderai sur la vidéo quand j'ai montré d'où il sortait, d'où il tombait. Enfin, où il était quoi. Voilà. Très joli la belle étoile, c'est très joli. Tricot. Moi aussi j'aime bien tricoter, mais alors là quand il fait chaud comme ça, c'est même pas un rêve. Création de bijoux en résine. Bah voilà pourquoi tu m'as envoyé un objet en résine. C'est en résine, j'ai dit quoi tout à l'heure? En silicone, n'importe quoi. Ah sympa. Bon, je remonte la petite carte, la petite Memory Dex que je mettrai dans mon. Qui est derrière là-bas, dans mon support Memory Dex. Voilà, ensuite. Une petite fleur en. Feutrine. Voilà. Ça aussi, je vais mettre dans mon plateau. Maintenant, je vais faire comme ça, voilà. Ouais, bonne idée. Ensuite, ici. Ah, c'est vachement sympa en fait. Des petites une création, je sais, un petit, je sais pas comment vous dire, avec c'est en résine aussi, c'est avec des petites choses incrustées à l'intérieur. C'est chouette ça. J'ai envie de mettre un petit nœud là ici et je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais faut que je fasse quelque chose avec, ça c'est sûr. Et la petite dame là en tag, très rétro, hein, très mode d'avant. Voilà, dans le petit contenant fait avec des enveloppes, c'est super sympa. Voilà, je vais mettre tout ça ensemble. C'est vraiment sympa. Voilà, bah, écoute Monique, merci beaucoup. Je vais, regarde. J'ai mis dans mon plateau les petites créations. Le petit cœur, il est là.
Et je vais chercher où il était collé, mais je pense que je vais le remettre là où il y avait le petit nœud en tulle. Je pense que ça devait être à côté là. Ouais, je sens un peu de colle. Je crois qu'il était juste à côté là. Voilà. Donc je vous laisse. Merci. Oui, je regarde. Merci pour ces deux envois. Merci à Madame T. Parce que derrière, il y a juste marqué Madame T. Et voilà. Donc merci Fanchette. Et merci Monique. Voilà, je vous fais à tous des bisous. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, un petit quart d'heure avec moi. Vous avez passé un bon moment. Voilà. Je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater. Voilà, bisous.